Alors, de la même façon, avant d'entamer ce tour de table et ces échanges, je vous propose de revoir l'essentiel à connaître en matière de compétitivité ou de baisse de compétitivité. On regarde ensemble. Chaque année, le secteur de la chimie en France perd en compétitivité par rapport aux autres pays. Pourquoi? Un coût de l'énergie défavorable. L'industrie chimique est le premier secteur consommateur d'énergie, y compris comme matière première, avec une facture de 7,5 milliards d'euros. Une fiscalité française unique et désavantageuse. L'industrie chimique en France perd environ 27% de ses marges en impôts et taxes de production. L'inflation réglementaire. En 20 ans, plus de 2000 textes rien que sur l'environnement et la sécurité. Un coût du travail trop élevé et une législation sociale complexe et trop rigide. Alors comment renouer avec la compétitivité? Alors, les chiffres sont là, les données sont là. Alors, avant de rentrer dans le premier thème et de rentrer dans les leviers, une question à vous tous et répond qui a envie là tout de suite sur votre perception justement de la chimie, de la place de la chimie en France en matière de compétitivité. Est-ce que vous avez cette vision? Est-ce que vous partagez cette vision, Monsieur Lehenard? Le constat, oui, on le partage, on ne va pas revenir dessus, mais c'est vrai que la chimie française a des marges qui sont plutôt en déclin depuis des années. Il y a une baisse également de l'emploi. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que c'est un paradoxe dans la mesure où la France est une terre de tradition chimique. C'est un grand secteur industriel. Je pense que ça a été dit ce matin avec une chimie qui est un des principaux secteurs industriels en termes de chiffre d'affaires et peut-être le premier en termes d'exportation. Donc c'est un secteur qui mérite d'être soutenu et sur lequel il faut se pencher sur la compétitivité. Arkema a un ancrage français qui est très fort, hein, puisque c'est 10% de notre chiffre d'affaires en France et 50% de l'emploi. Et donc ce thème de la compétitivité que nous allons aborder maintenant est extrêmement sensible pour une entreprise comme Arkema. Alors justement, parmi les bienvenue parmi nous. Contente que vous ayez pu nous rejoindre. Vous voyez, nous avons nous-mêmes quelques minutes de retard, donc tout est parfait. Donc Geoffroy Roux-de-Bézieux, vice-président du MEDEF, qui nous accompagne tout au long de cette table ronde. Alors parmi les freins à la compétitivité, il y a un premier frein que tout le monde s'accorde à noter, c'est la question de l'énergie. Aujourd'hui, j'aimerais que vous nous disiez, Monsieur Labattu, vous êtes à la tête de DRT, donc une entreprise familiale à capitaux indépendants. Vous êtes basé dans les Landes et vous avez aujourd'hui une solide croissance. Vous fabriquez, je crois, de la résine qui est utilisée aussi pour les chewing-gums, m'a-t-on dit. Ça m'a fait sourire. Et aujourd'hui, vous êtes une ETI et vous souffrez très particulièrement, donc justement, de ce coût de l'énergie, mais vous avez tenté de trouver des solutions pour échapper à cette dépendance. J'aimerais que vous nous parliez de votre cas précis et de votre rapport à la compétitivité en matière d'énergie. Oui, comme la grande majorité des entreprises du secteur, DRT est une entreprise énergivore. Et l'énergie représente jusqu'à 15% du prix de production de certains de nos produits. Donc c'est un élément pour nous majeur. Et comme l'indiquait le documentaire que nous venons de voir, le prix de la chimie en Europe et particulièrement en France est beaucoup plus élevé que chez certains de nos concurrents, notamment ceux qui ont la chance de produire aux États-Unis. Donc pour nous, c'était un enjeu majeur de réduire le coût de notre énergie. Et quelle solution avez-vous trouvée? Alors nous avons été candidats et lauréats des appels d'offres de la CRE, la commission de régulation. Alors je ne sais jamais si c'est énergie ou électricité. Énergie. Commission de régulation d'énergie. Ce qui nous a permis donc de démarrer la construction d'une cogénération, d'un cogénérateur. C'est une chaudière biomasse qui rentrera en activité d'ici quelques mois. Chaudière biomasse qui produira la vapeur pour notre site, principal site industriel de Vielle-Saint-Girons dans les Landes et qui revendra l'électricité à EDF dans le cadre d'un contrat pluriannuel. Donc ce cogénérateur brûlera des coproduits qui sont issus du processus de production de DRT et puis des plaquettes forestières puisqu'on a la chance d'être au sein du plus grand massif forestier d'Europe. Et tout ça va nous permettre d'avoir une usine qui fonctionnera uniquement à la biomasse en matière énergétique
et ça va baisser effectivement de façon substantielle le coût de l'énergie pour nous. Alors là, dans ce cas de particulier de cogénération, j'ai envie de dire que les conditions étaient réunies, à la fois étaient adaptées aux besoins que vous aviez, aux sites sur lesquels vous étiez, mais on est encore dans une solution, j'ai envie de dire, en marge par rapport à vos besoins. C'est également votre cas chez Arkema. Aujourd'hui, vous êtes effectivement électro-intensif. On entend parler de ces solutions de cogénération, mais comment réagissez-vous face à ce coût de l'énergie? Quelle stratégie mettez-vous en place? Est-ce que vous aussi, vous cherchez des solutions alternatives ou est-ce que ces solutions restent de fait minoritaires? Chez Arkema, le coût de l'énergie en France, et on peut partager le chiffre, hein, c'est environ 250 millions d'euros. Et là-dessus, je dirais que le gaz et l'électricité est absolument incontournable. Donc c'est clair que même si on travaille sur un certain nombre de possibilités techniques qui nous permettraient de faire un certain nombre de gains, la clé c'est la compétitivité de l'électricité, c'est la compétitivité du gaz. Donc nous sommes au cœur de tous ces sujets, donc il y a un certain nombre de discussions sur lesquelles le gouvernement est également impliqué. Les chiffres ne mentent pas, hein. Le prix de l'électricité en France, quand on regarde sur une période, je ne sais pas si c'est 10 ans, 12 ans, 15 ans, mais en gros a doublé, et là où on avait 25% par exemple par rapport à un pays comme l'Allemagne, là, on était 25% moins cher, on est devenu 25% plus cher. Quand on regarde le gaz par rapport aux États-Unis, c'est un exemple qui est connu de tous, on est 3 fois plus cher. Donc, effectivement, il y a de véritables enjeux. Or, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience à tous les niveaux, au niveau de l'opinion publique, au niveau du gouvernement et au niveau des industriels, sur le fait qu'il faut réduire ce désavantage. Concernant l'électricité, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Depuis quelques temps, maintenant, il faut les concrétiser de manière urgente, concernant Excelsior, concernant plus récemment le transport de l'électricité. Concernant le gaz, c'est plus compliqué, puisque les États-Unis ont le gaz de schiste. Je ne sais pas si un jour, ça sera un sujet en France ou pas, mais en tout cas, ce n'est pas pour le court terme. Donc il faut s'y attaquer sur le court terme, il faut attaquer quand on n'a pas de gaz de schiste, on pourrait dire qu'il faut des idées. Et ces idées, c'est sûrement travailler sur les infrastructures, sur la fiscalité, sur d'autres choses, de façon à réduire un petit peu cet écart. Mais c'est vraiment le gaz et l'électricité, deux enjeux majeurs pour les prochaines années et dont certaines choses doivent être faites de manière urgente. Et en attendant que ces choses soient faites, et on regardera les amorces de solutions ou les politiques qui peuvent être mises en place, qui sont déjà mises en place pour y répondre, comment compensez-vous ce handicap en termes de coûts? Quelle stratégie vous opérez? Comment on arrive à maintenir la compétitivité dans des situations comme celle-ci? Alors la compétitivité, c'est une somme de choses. Donc il est clair qu'on n'arrive pas à compenser un tel décalage compte tenu de la facture d'électricité qu'on a. Par contre, on travaille au niveau compétitivité sur l'ensemble des facteurs et on passe des messages également sur les autres facteurs de compétitivité que sont la fiscalité, que sont les taxes. On travaille également sur la productivité de nos entreprises. Donc on travaille sur l'ensemble des leviers, mais ce levier-là, rien ne peut le compenser. Et donc il faut qu'on travaille tous ensemble, gouvernement, industriel, et bien entendu producteurs et consommateurs d'électricité, pour essayer de trouver des solutions et de se rapprocher des benchmarks, puisqu'il faut absolument se comparer pour une industrie qui est globale comme la nôtre par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. Merci. Alors, quand on parle d'énergie, on pense forcément aussi à la question de la transition énergétique et à cet accompagnement qui doit être mené. Alors, je me tourne vers vous, Geoffroy Roux de Bézieux, pour connaître justement la position du MEDEF. Comment on réagit face à cela? Bonjour à tous. D'abord, un mot pour m'excuser de mon retard. C'est la SNCF qui m'a trahi. Je ne sais pas si les quais étaient assez larges pour laisser passer le TGV, mais enfin, on avait 45 minutes de retard. Ou le train était trop petit, par rapport. Voilà, je ne sais pas dans quel sens ça marche. Enfin, je suis un peu désagréable avec la SNCF. Alors, un mot sur la transition énergétique, puisque c'est évidemment un élément extrêmement important de compétitivité. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces derniers mois de compétitivité coût du travail, de compétitivité fiscalité. On pourrait éventuellement y revenir. Mais l'énergie est un facteur de coût pour l'industrie chimique, pour l'industrie en général. Et contrairement à ce que certains peuvent croire, de plus en plus pour les services, en partie dans le numérique. Il n'y a rien de plus énergivore que des ordinateurs qui stockent des milliards et des milliards de données. Donc l'ensemble de l'économie est concerné. Et on a, nous, au MEDEF, beaucoup regretté que la transition énergétique, qu'on est prêt à accompagner,
le débat national qui a eu lieu et qui aura encore lieu soit pris avec un ensemble de difficultés. D'abord, une gouvernance qui est totalement déséquilibrée, où on donne le même poids à un monde associatif très dispersé et pas toujours légitime et représentatif, et puis les entreprises. Donc c'est des assemblées avec plusieurs dizaines de personnes et chacun une voix, ce qui aboutit à des compromis qui sont très défavorables au monde de l'entreprise. Donc on a un problème de gouvernance. On a quand même, il faut le dire, même si c'est peut-être pas politiquement correct, des partis pris idéologiques de certains qui ont une idéologie soit anti-entreprise ou en tout cas anti-croissance. Et un ensemble de scénarios économiques qui ont été évoqués sont des visions de décroissance. C'est pas juste des visions de sobriété énergétique ou d'amélioration de la performance. On est au-delà de ça. Et on peut que déplorer que souvent il n'y ait pas justement une vision économique. C'est quoi la France industrielle de 2025, de 2030 après la transition énergétique? Et puis le dernier point, c'est un manque de benchmarking international. On ne peut pas faire la transition énergétique tout seul. Vous l'avez très justement dit, on a le continent américain qui a fait baisser formidablement le prix des énergies fossiles par l'exploration du gaz de schiste. Et là, je me permets de, non pas vous corriger, mais vous compléter en disant le gaz de schiste, ce n'est pas un sujet de long terme en France. Ça doit être un sujet de court terme. Il faut qu'on rouvre le débat. Il ne faut pas qu'on le laisse... Alors, oui, c'est difficile. Oui, ça provoque des remous. Mais au MEDEF, on considère qu'on n'a pas le droit de fermer ce débat aujourd'hui quand on voit ce qui se passe aux États-Unis et peut-être dans d'autres pays d'Europe centrale. Et puis le prix de l'électricité, il y avait un très bon article dans le Figaro qui expliquait que certes, l'énergie nucléaire permet d'abaisser le prix de l'électricité puisqu'on a des installations qui sont très largement amorties. Mais contrairement à l'Allemagne, vous l'avez dit, on a fait le choix d'une électricité pas chère pour les consommateurs et chère pour les industriels, enfin en tout cas une partie des industriels, alors que l'Allemagne a fait exactement le choix inverse. Les graphiques qui étaient dans le Figaro la semaine dernière ou je ne sais plus quand étaient très clairs. Et puis il y a dans ce sujet de la transition énergétique un dernier point de compétitivité qui est important, qui est la fiscalité écologique, qui devient assez vite punitive. On l'a un peu oublié, mais le précédent gouvernement a lancé une taxe carbone qui monte en puissance à partir de 2015. Alors pour partie payée par les consommateurs, mais pour partie payée par les entreprises. Alors en sont exclus un certain nombre d'entreprises énergo-intensives, mais il n'empêche, alors je ne sais pas si la chimie est totalement exclue ou pas, donc je ne me lancerai pas dans ce débat-là, mais ça va pénaliser, bien sûr, l'industrie. Et en plus, ça a été fait sans étude d'impact, comme toute mesure fiscale qu'on fait en France, et on n'est toujours pas capable aujourd'hui d'avoir un chiffre précis de quelle part les entreprises prendront l'année prochaine et sur 2016 au coût de cette taxe carbone. Alors là, on a abordé plusieurs leviers dans cette question large de la transition énergétique. Vous avez entendu, Laurent Michel, les différents freins. On entend les écarts de prix. J'aimerais avoir votre réaction et peut-être votre explication sur aujourd'hui cette situation en France sur le coût de l'énergie. D'abord, il faut effectivement partager et parfois un peu nuancer le constat. Je rappellerai d'abord que l'énergie, c'est une multiplication. C'est les quantités consommées fois le prix. Il faut, du point de vue de l'entreprise, agir sur les deux. Je crois qu'il y a des efforts d'économie d'énergie dans tous les secteurs, y compris industriels, qu'il faut que, à la fois les industriels et les pouvoirs publics accompagnent. Il y a des mécanismes, comme les certificats d'économie d'énergie, qui peuvent amener, par exemple, des financements. Il y a de l'innovation qui est soutenue dans ces domaines. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Alors, sur les prix, c'est vrai qu'on a, d'une part, la comparaison entre les grandes régions du monde et à l'intérieur de l'Europe. Sur les grandes régions du monde, on a effectivement la région Amérique, Amérique du Nord, là ça a été dit. On a à contrario la région Japon qui est à la fois du gaz qui est pratiquement 50% voire plus cher qu'en Europe. Et son électricité, pareil d'ailleurs de tout temps, mais là ça a encore plus explosé avec la fin provisoire, mais enfin qui dure depuis un moment maintenant du nucléaire au Japon. Et on a à l'intérieur de l'Europe. À l'intérieur de l'Europe, effectivement, si je commence par l'électricité, le cas français a été longtemps qu'on était en gros moins cher que tout le monde, et à peu près, sauf cas exceptionnel, on va dire, entre autres des pays du Nord,
avec grosse hydroélectricité pas chère, mais vraiment cas très particulier. Et on était les moins chers pour tout le monde, globalement. Et aujourd'hui, on reste en gros parmi les moins chers, y compris pour les petites et moyennes entreprises. Et il nous reste le cas des moyens et gros consommateurs où effectivement, aujourd'hui, il y a un constat, c'est que, entre autres, l'Allemagne, c'est pas vrai pour d'autres pays, c'est plus compliqué d'ailleurs à savoir pour d'autres. Dans chaque pays, c'est compliqué de savoir. Le prix de l'électricité, c'est la somme pour un consommateur du prix de l'électricité elle-même, l'électron, du transport d'électricité, de son acheminement, plus d'un certain nombre de taxes et moins les exemptions de taxes. Et au bout d'un moment, pour savoir le prix que paye une entreprise, il y a quel qu'il sait, et encore, ça se calcule dans tous les sens. Donc, on a effectivement. Aujourd'hui, pour les gros consommateurs, en moyenne, l'Allemagne est passée moins chère que la France pour plusieurs raisons. Nous, on est plutôt sur la base du nucléaire qui, bon, c'est assez stable. En Allemagne, les prix des marchés de spot ont baissé. Et par ailleurs, le gouvernement allemand a pris diverses mesures d'exemption ou de baisse de tarifs, entre autres des tarifs de transport d'électricité, qui ont sur cet élément-là, sur ces briques-là, fortement abaissé la facture allemande. Donc ça, c'est incontestable. Contrario, si vous voulez, ce chiffre que j'ai, moi, c'est par exemple le prix du marché spot en Grande-Bretagne, c'est 60 euros du mégawatt-heure. Le prix en France, c'est 43. Donc je crois que notre principal point de benchmark européen, c'est l'Allemagne, c'est celui-là qu'il faut regarder. Les autres, c'est moins défavorable. Alors après, c'est sûrement encore à moduler entreprise par entreprise et cas particuliers. Alors, sur l'électricité, le gouvernement a mis en place depuis 2013 un certain nombre de mesures de soutien aux gros consommateurs. Il y a eu le mécanisme de soutien qui s'appelle prime de capacité aux cogénérations. C'est un soutien quand même qui varie entre 35 et 45 000 euros par mégawattheure installé par an sur 3 ans. Et pour l'ensemble de l'industrie et des chauffages urbains concernés, ça fait 50 à 70 millions d'euros. Pourquoi si les entreprises investissent, si elles augmentent l'efficacité énergétique de leur cogénération, elles ont une prime supplémentaire. Le mécanisme s'est voulu un peu vertueux. On a eu aussi un renforcement de mécanismes qui à la fois rémunèrent et en même temps sont des soutiens, les services que peuvent rendre les gros consommateurs au système électrique, mécanismes que certains connaissent pour en bénéficier, l'interruptibilité. Donc les gens qui peuvent s'interrompre brutalement, qui prennent un engagement, le système électrique leur paye cet engagement, ils payent une assurance, système électrique. Donc on a décidé qu'il passerait de 400 à 600 mégawatts, pardon. Donc on va augmenter de moitié la part de volume d'industrie concernée. Ce sont des gros consommateurs industriels qui... Il y a aussi des appels d'offres annuels d'effacement menés par RTE, le réseau de transport d'électricité. Et à partir de 2016, on aura un mécanisme de capacité qui mettra en regard d'un côté les obligations qu'auront les fournisseurs d'électricité de pouvoir passer la pointe et en face les capacités soit de producteurs, soit de consommateurs de pouvoir soit amener de la capacité de production en pointe, soit de pouvoir s'effacer. Ça permettra là aussi de rémunérer les capacités soit de cogénération, soit d'effacement des industries. Donc deux derniers points sur l'électricité. Le gouvernement accompagne, c'est des détails un peu compliqués, les entreprises dans des négociations contractuelles. Mais ça, je ne préférerais pas les évoquer en détail. C'est des contrats un peu complexes, mais qui ont aussi un aspect d'implication des pouvoirs publics sur divers paramètres. Et par ailleurs, il y a effectivement une réflexion sur le tarif de transport, puisque il pèse 3 à 6 euros du mégawattheure. Donc quand vous avez un prix de base de l'électricité nucléaire qui est à 42 euros du mégawattheure, le tarif de transport pour les gros industriels de 3 à 6 euros, c'est important. Nos collègues allemands ont fait une exemption de 100% qui a été déclarée illégale par un tribunal allemand qui a déclenché une enquête de la Commission européenne. Ils l'ont ramené à 80-90%, c'est toujours en enquête. Néanmoins, la Commission de régulation de l'énergie a décidé, ça devait être la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je pense, en délibérant, de faire un abattement, pour l'instant limité à l'année 2014-2015, de 50% sur le tarif de transport pour les gros consommateurs. Il y a une définition, un certain nombre d'heures, ou une certaine puissance, ou un volume annuel consommé. Ça représente plusieurs dizaines de millions d'euros pour les industriels concernés, autour de 60, de ce que j'ai compris.
Alors, c'est un mécanisme pour l'instant exceptionnel. La question de la pérennisation est posée. Nous sommes plutôt favorables à une pérennisation. On va aussi regarder le jugement, enfin l'accord de la Commission européenne ou pas. Je pense qu'il y aura accord, mais jusqu'à quel point sur le dispositif allemand. Et donc, nous envisageons dans la loi de transition énergétique, nous avons proposé à notre ministre, une disposition législative permettant d'ancrer la ristourne, on va dire, l'abattement, pardon, qu'a fait la CRE à titre exceptionnel, de l'ancrer dans un dispositif législatif. Il faut quand même un certain nombre de bases, parce qu'il faut juste savoir que ce que l'on prend aux uns, ce qu'on donne aux uns, on le prend aux autres, parce que cette réduction sur les tarifs de transport se répercute, c'est ce qui a été dit à un moment, c'est un choix sur les autres consommateurs, donc il faut qu'il y ait des bases légales un peu incontestables. C'est un choix politique, évidemment, comme oui, on l'a... Oui, mais il faut qu'il y ait des bases légales, si vous voulez, on n'est plus tout à fait au temps de, je sais pas, Louis XIV ou d'autres, Et il y a un certain nombre de contentieux. Quand vous baissez les tarifs pour les uns, je peux vous garantir que vous en avez beaucoup d'autres qui font tout de suite un recours contentieux. On n'aimerait pas que ce genre de choses se termine par des remboursements. Ça fait toujours très mal après. Donc qu'on puisse l'ancrer dans la loi, qu'en raison de certaines caractéristiques à la fois de nature de la consommation et de compétitivité, on puisse faire un abattement pour les gros consommateurs d'électricité. Donc on entend des mesures d'accompagnement sur d'autres productions, hein, type la cogénération. On entend là des économies potentielles. Donc les choses sont entendues. En tout cas, les messages passent. Le MEDEF passe les messages. Vous, industriels, vous luttez encore. Mais la question de l'énergie reste encore entière. On entend que c'est en débat, mais ce n'est pas réglé puisqu'on a encore un vrai défaut de compétitivité. Je vous propose maintenant de regarder un autre levier à la compétitivité. On reproche souvent à la France sa surréglementation, et ce n'est pas un reproche vain. On a vu les chiffres, un des pays les plus réglementés au monde. Alors regardons avec vous, Laurent Labattu, si vous le voulez bien, comment au quotidien on vit avec cette surréglementation et en quoi aujourd'hui elle affecte votre activité. Je pense que la surréglementation, c'est le véritable frein à la compétitivité de l'industrie chimique en France. Cette réglementation, elle est sévère, elle est complexe et elle est très coûteuse parce que, comme elle est complexe, elle nécessite d'avoir dans l'entreprise, alors soit en interne, soit auprès de cabinets extérieurs, parce que des PME comme DRT ne peuvent pas avoir toutes les compétences en interne. Donc c'est-à-dire que vous devez investir pour que des spécialistes vous mettent aux normes. C'est ça. D'accord. Il nous faut des gens pour d'abord comprendre l'évolution de la réglementation, parce qu'il y a une telle instabilité législative dans les domaines sociaux, environnementaux, qu'il nous faut les meilleures compétences pour être à la page, tout simplement. Donc, pour donner un exemple, REACH, qui est la directive européenne, ça représente un coût pour DRT de 18 millions d'euros à l'échelle de notre entreprise. C'est considérable. Mais je pense qu'avant même... Enfin, au-delà du coût de la réglementation, le principal frein à la compétitivité, c'est surtout la pesanteur de cette réglementation. Nous sommes une industrie qui est une ICPE, c'est-à-dire une installation classée pour l'environnement. Donc lorsque nous voulons lancer un nouveau produit, créer une nouvelle unité industrielle, nous avons besoin de déposer ce qu'on appelle un dossier de demande d'autorisation d'exploiter. En règle générale, l'avis de l'État et des administrations prend entre 15 et 18 mois, ce qui est considérable. Et je peux vous dire que pour avoir des usines en Chine ou en Inde, on n'a pas du tout ces mêmes délais dans les pays émergents. On n'a pas les mêmes délais non plus aux États-Unis où on a aussi une entreprise. Donc il y a un vrai problème de rapport. Il y a un vrai problème de rapport temps, et on parle beaucoup du pacte de responsabilité. Et c'est vrai que je crois que le choc de simplification dont on parle moins est extrêmement important, parce qu'il faut retrouver de la réactivité. On entend bien la difficulté au quotidien. Je me tourne vers vous, Thierry Lenaf. Quelle vision vous avez à l'échelle d'un groupe comme Arkema de cette surréglementation? Comment on le gère? Quelle vision vous avez? Alors, la réglementation est effectivement un enjeu majeur, donc on pousse très fort pour aider les personnes qui s'occupent au niveau de l'État pour simplifier cette réglementation. Le problème, c'est que déjà la chimie a un profil d'être réglementée,
C'est vrai qu'on est un peu au croisement de toutes les réglementations. Dès qu'il y en a une, c'est pour nous. Il y a 800 réglementations aujourd'hui en France, enfin en comptant les réglementations françaises et les réglementations européennes. Quand vous appliquez ça à un site particulier, parfois des sites sont de petite taille, ça veut dire qu'on a des patrons de sites et leur équipe qui... Bon, alors c'est vrai que le social en France prend pas mal de temps, mais la réglementation prend véritablement beaucoup de temps. Et donc, il faut simplifier d'urgence cette réglementation. On a parlé de REACH, on pourrait parler des ETS, on peut parler plus récemment la réglementation sur les séismes, la réglementation sur la pénibilité. Oui. Donc, on en a chaque année, on en a chaque mois, on en a chaque jour. Et donc, il faut arrêter le flux et puis il faut réduire d'urgence progressivement. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup vu la réduction. On comprend qu'on travaille dessus, mais on voudrait voir, c'est un peu comme sur d'autres sujets, des résultats concrets qui permettent de dire on commence à démarrer la décrue. Démarrer la décrue, c'est effectivement ça. Geoffroy Roux-de-Béziers, quand vous entendez ces questions de surréglementation, comment vous luttez, vous ? Je vais commencer par une pointe d'humour. Vous n'êtes pas seul, malheureusement, dans la chimie, à avoir ce genre de problème. Sur les délais, j'étais hier avec des gens de LVMH, je sais qu'ils ont racheté la Samaritaine pour en faire un grand centre de luxe, 2000 emplois à la clé. Ils ont déposé le premier permis il y a 9 ans. Et au mois de février, il y a un juge du tribunal administratif qui a trouvé la dernière essai de façade dissonante avec l'environnement de la rue Rivoli. C'est un critère totalement subjectif. Et ils sont repartis pour un ou deux ans. C'est terrifiant, hein, je dis ça avec le sourire et sans le sourire. Puisque les conséquences peuvent être dramatiques. Ben, c'est 2000 personnes dans un pays qui a 11% de chômage, qui ne travaillent pas. Donc on a un double sujet, une surréglementation française et internationale, il faut le dire, et européenne souvent, qui se réjoute à une administration qui n'a pas compris que l'économie avait accéléré et qui continue de travailler au rythme où elle a toujours travaillé. Il y a 40 ans, sans mettre en cause les personnes, mais simplement parce que les objectifs ne sont pas les mêmes et que on ne comprend pas que effectivement les autres vont plus vite. Vous savez que le chantier de simplification est mené en duo avec un député qui s'appelle Thierry Mandon et un chef d'entreprise qui s'appelle Guillaume Poitrinet. Il a écrit un livre, c'est d'ailleurs ça qui l'a amené à présider cette commission, qui s'appelle « Plus vite, la France ralentit, le monde accélère ». C'est bourré d'exemples comme ça, beaucoup dans l'urbanisme, mais effectivement dans l'industrie, où on a l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde et qu'on perd du terrain à cause de ça. Alors, il y a ces 50 mesures qui ont été annoncées, mais le vrai sujet de la simplification, c'est pas tellement le stock, c'est le flux. Parce que dans le même temps, je ne vais pas être trop long, vous inquiétez pas, je vois que vous avez envie de poser une question. Non, c'est parce que j'avais envie d'entendre Laure de la redire aussi sur cette question-là, puisque c'est son quotidien. La machine administrative, la machine, pas de le dire, cher Laure, la machine parlementaire continue à produire. Juste au MEDEF, et après j'arrête, on a reçu, l'année dernière, j'ai fait le compte, 3720 pages d'instructions fiscales à relire. 3720. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vous assure, on est en train de devenir fou. Et tous ces gens-là font leur travail avec beaucoup de conscience. Ils pensent que chacun, ils font ce qu'il faut. Mais sauf que la somme qui s'abat sur les entrepreneurs de toute taille est juste insupportable. Alors, Laure de la Rodière, je pense que... Je pense qu'on attendait ça, ça fera écho. En échangeant ensemble, vous me parliez de logorée législative, donc je pense que vous partagez 100% des points. Donc, pour rappel, vous êtes donc député MP d'Eure-et-Loire et vous présidez justement la mission de simplification législative décidée par le président de l'Assemblée nationale et vous vous attaquez à bras-le-corps à cette question de la simplification sur comment changer les choses, changer le modèle pour arriver à avoir la bonne réglementation, la bonne loi, qu'on parle de règlement ou de loi. Le process, le défaut, l'excès est le même. Donc comment arriver à rentrer dans des proportions normales et avoir des lois justes et utiles, des règles en tout cas, si on est plus général. Merci. Bonjour à tous. Et pour faire rire Geoffroy, je vais lui dire que j'ai hérité de la présidence de cette mission de simplification législative parce qu'un jour, j'ai dit à Claude Barthelone dans les couloirs de l'Assemblée nationale, écoute Claude, si on arrêtait de légiférer pendant un an, la France irait mieux. Donc voilà. Donc tu vois, et toujours je lui dis aussi, nos lois, on n'est pas capable, objectivement, et j'espère que vous nous proposez un projet de loi de transition énergétique pas trop longue, mais on n'est pas capable d'examiner dans le détail une loi qui fait 150 articles. C'est pas raisonnable. C'est absolument pas raisonnable.
Le travail qu'on fait dans la mission de simplification législative est dans la continuité des travaux déjà anciens de réflexion sur la réduction du contexte réglementaire, la simplification de la réglementation. Et je voudrais saluer le travail qui est fait par le Conseil national de la simplification, donc co-présidé par Guillaume Poitridal et Thierry Mandon. Thierry Mandon est rapporteur aussi de la mission que je préside à l'Assemblée nationale. Et pour vous rassurer, nous travaillons droite et gauche avec le même objectif. Il n'y a pas de clivage sur ce plan-là. Il faut qu'on réduise et qu'on simplifie la vie des entreprises, la vie des collectivités et la vie des Français. Alors une fois qu'on a cité l'objectif, c'est bien, mais c'est compliqué à faire. C'est compliqué parce qu'il y a aussi des attentes naturellement de la population en matière de protection de l'environnement, en matière de sécurité, et il faut équilibrer le tout. Mais on se dit, le premier objectif quand même absolument nécessaire, c'est qu'il y ait des études d'impact pour toute prise de réglementation et tout projet de loi. Donc ça, ça existe dans les deux cas. Ça existe depuis la réforme de la Constitution de 2008 pour les projets de loi et la circulaire de 2011 pour les décrets. Mais elles ne sont pas de qualité suffisante. Donc il nous faut, et on va le proposer, avoir, aux côtés des études d'impact qui sont faites, un organisme. On ne va pas créer quelque chose de nouveau. Je pense qu'on va demander au Conseil de la simplification de nous évaluer la qualité de l'étude d'impact, et notamment les articles qui concernent les entreprises. C'est-à-dire, est-ce que la charge administrative que génère la nouvelle norme a bien été évaluée, et est-ce que finalement, par le test PME qui commence à se déployer, on est sûr que ce sera des normes qui seront compatibles avec une croissance de l'économie française. Donc ça, c'est le premier point, c'est la qualité des études d'impact. Le deuxième point... Des études en amont, d'ailleurs. Hein, en amont. Faire très en amont, ce qui n'est pas toujours le cas. Avoir un avis objectif par un organisme qui aurait à la fois des personnes de l'administration et de la société civile pour nous dire, là, votre étude d'impact est complète. Et on a bien évalué les dispositions, enfin, le coût de la charge administrative pour les entreprises. La deuxième piste, logique de croissance, tout à fait. Ouais, la deuxième piste qu'on a aussi, c'est qu'on ait un avis du Conseil d'État sur les transpositions des directives européennes. On veut qu'elles soient transposées à minima. Donc on est d'accord sur ce principe-là. Et on aimerait avoir un éclairage juridique d'un organisme expert en la matière, donc on pensait au Conseil d'État, pour nous garantir la transposition des directives européennes sans durcissement. On pense aussi, au vu du poids que prennent maintenant les propositions de loi dans le cycle législatif, qu'il faut appliquer ces mêmes règles aux propositions de loi. On a des propositions de loi qui sont extrêmement impactantes pour les entreprises. Il y en a une, par exemple, sur l'inspection du travail en cours d'examen cette semaine. Moi, j'aurais bien aimé avoir une évaluation avec une étude d'impact sur cette proposition de loi pour voir comment les entreprises, quel est l'impact sur les entreprises de cette proposition de loi qui a été examinée hier. Voilà quelques pistes. Moi, ce que je voudrais dire quand même, qu'on a avancé, c'est-à-dire depuis 2009, il y a eu plusieurs rapports sur ce sujet-là. Il y a eu des préconisations qui ont été mises en place. Il y a eu 4 lois de simplification de Jean-Luc Warsmann. Il y a eu la décision de simplifier le bulletin de paye. Donc, je voulais juste vous dire où on en était. Donc, les tests PME à toute nouvelle norme qui touche les entreprises sont mis en place. Ça commence par le Conseil national de la simplification. Il y a eu aussi la création d'un site Internet que j'appellerais « Recueil des doléances ». Ça, c'était, je l'avais proposé dans mon rapport en 2010 sur la simplification de la réglementation industrielle, fait d'ailleurs avec l'UIC. On avait proposé qu'il y ait un site Internet qui puisse recueillir les doléances de l'ensemble des entreprises. Ce site existe, il s'appelle simplifier-entreprise.fr. Et je vous invite, quand vous avez à appliquer une norme qui est aberrante par rapport à votre fonctionnement ou qui met en danger votre business model, de le faire remonter sur ce site. Conseil. Donc on met sa doléance, voilà. Elle sera prise et ça fait Testez-le. Partie, ça s'intègre à votre travail. Testez-le et dites-moi si ça marche ou pas.
Je trouve que ce qui a été mis en place depuis un an avec le Conseil national de la simplification permet d'un peu plus horizontaliser en fait les relations entre les industriels et l'administration, et c'est une excellente chose parce que ça va permettre aussi à l'administration de devenir plus agile par rapport aux remontées du terrain. Le bulletin de paie, j'en parlais, là, il y a encore un chantier de 3 ans. La simplification du bulletin de paie, c'est extrêmement complexe. Donc malheureusement, mais c'est quand même une annonce, c'est-à-dire que maintenant, on a un délai. Avant, vous ne l'avez pas. Oui, mais ça, il faut fusionner des organismes. Donc, alors c'est ce délai, compliqué. Quel est-il ? Et puis, il y a aussi un autre chantier qui est extrêmement important pour les entreprises en matière de réduction de la charge administrative, c'est « dites-le nous une seule fois ». Et là, il y a le Conseil national de la simplification avance étape par étape. La première étape qui va être mise en place, c'est la déclaration sociale numérique. Il y a des tests qui vont être faits du 1er septembre à fin 2014 sur 300 000 entreprises pour une généralisation en 2015. Autre point de simplification concernant les marchés publics, vous savez que si vous répondez à des marchés publics, vous êtes obligé à chaque fois de redécliner l'identité de votre entreprise, si vous respectez telle législation, enfin toutes vos données concernant les entreprises, alors que l'administration l'a déjà. Donc ça va être simplifié. Si vous avez donné l'information une fois dans l'année, vous ne le redonnerez pas une seconde fois. Et dernier point aussi qui va être mis en place très récemment, c'est la suppression du DAS2, c'est-à-dire les déclarations des prestations intellectuelles aux entreprises, qui est faite aujourd'hui manuellement et qu'on ne va plus vous demander. Donc ça avance certainement trop lentement par rapport à vos attentes, mais je dirais que c'est aussi un changement de culture de la fabrique de la loi ou de la fabrique de la norme ou de la fabrique de la réglementation par l'administration. Et tout changement de culture prend du temps. Pour moi, la meilleure façon d'accélérer ce changement de culture, c'est ce que j'appelle horizontaliser les relations, c'est que le plus possible, vous fassiez remonter par le biais du site Internet l'ensemble des difficultés que vous rencontrez, et que le Conseil national de la simplification, qui va être un lieu de discussion entre l'administration et vous, puisse agir pour que, enfin, on avance et qu'on réduise les charges administratives de notre pays, parce que c'est 5% du PIB contre 3% en moyenne dans la Commission européenne. Et donc on voit bien que c'est un handicap de compétitivité de notre pays. On le voit bien, et puis je crois que vous le vivez au quotidien. Un mot, Laurent Michel, sur cette question de la réglementation et de la simplification. Un mot court, puisque nous sommes... C'est un très vaste sujet. Alors, je crois que beaucoup de chimistes savent que j'ai fait pas mal de réglementations environnementales dans ma vie, donc je ne vais pas me cacher. Ce prudent m'en voudrait, et d'autres m'en voudraient. Bah, je crois qu'effectivement, c'est un enjeu qui a été reconnu par des gouvernements successifs, qui est reconnu par les administrations. Comme l'a dit Madame la députée, c'est aussi une question d'équilibre, parce qu'il ne faut pas nier que le monde est multiple. On a, les uns et les autres génèrent des impacts sur les uns et les autres. On a des salariés, ils ont des besoins de protection. On a des riverains. Enfin, donc tout ça est effectivement un peu enchevêtré. On a les normes internationales, européennes. On a la norme française. Il y a un certain nombre de chantiers. Je ne vais pas redire ceux qui ont été évoqués là. Dans notre ministère, le ministère de l'écologie, développement durable, l'énergie, il y en a qui ont été lancés depuis un peu plus longtemps, comme par exemple la création du régime d'enregistrement, qui est une autorisation simplifiée au titre des ICPE, sans dossier d'études d'impact, donc déjà moins cher, et sans enquête publique et raccourci, délai d'instruction 5 mois au lieu des 15 ou autres qu'on peut avoir, doit concerner à peu près aujourd'hui, sous contrôle de mes collègues du ministère, dont doit y en avoir dans la salle, environ 20% des autorisations en flux. L'objectif est d'arriver d'ici quelques années, ça s'étend progressivement, on examine les secteurs, le ministère donc régulièrement revoit la nomenclature des ICPE, on devrait aller jusqu'à 35% des autorisations. Ça concerne alors évidemment les sites Seveso, la réglementation européenne, et puis ce sont des gros objets, ils restent toujours soumis à l'autorisation normale, mais ça peut aussi concerner la chimie par exemple, il y a eu de l'enregistrement qui a été introduit par exemple pour les liquide inflammable pour des petits stockages de liquide inflammable qui avant étaient en autorisation. Donc vous êtes dans cette logique de simplification, donc, de rationalisation du temps. Il y a, par exemple, ce genre d'enregistrement avait été imaginé comme étant un moyen à la fois quand même de garder un examen approfondi des dossiers,
un contrôle, une réglementation qui était d'ailleurs discutée évidemment au niveau national, puisque finalement on applique une réglementation standard au lieu de faire un arrêté préfectoral sur mesure, et discutée avec les fédérations professionnelles. Je crois d'ailleurs que l'UIC est fortement associé à toutes ces discussions. Je voudrais que dans les, je crois que c'est, elle est dans les 50 propositions, elle a été aussi proposée par notre ministère, va être lancée une réflexion, enfin pour aboutir, sur des simplifications sur la réglementation des équipements sous pression, qui là aussi dans l'industrie chimique, et c'est à la fois un enjeu, c'est un équipement sous pression, ça se réglemente, désolé, ça peut exploser. C'est un objet qui se réglemente, mais on a identifié visiblement des pistes de simplification, voire d'allègement dans ce domaine, donc ça va être lancé. Donc il y a des chantiers lancés. Je finirai en disant que ça doit être effectivement aussi un travail collectif, si je peux me permettre, non pas une boutade ou une pique, mais les entreprises elles-mêmes, parfois, nous entraînent vraiment dans des détails de luxe. Quand on écrit un texte, on dit, bah voilà, en gros, il va s'écrire simplement comme ça, mais non, mais mettez-nous trois exceptions, etc. Et le texte fait 50 pages à la fin. Effectivement, si on fait du sur-mesure, ça va être compliqué. D'où l'intérêt d'en discuter, parce que, sur finalement le concept de base du texte, dès le début, y compris des simplifications dès le début, plutôt qu'à la fin faire 50 exceptions. Donc alors, c'est important d'en discuter. Effectivement, une nouvelle approche, une nouvelle culture, hein, une culture qualité avec des études d'impact vérifiées, éprouvées, les tests PME, cette idée que la loi doit absolument ne pas venir alourdir des charges déjà existantes, mais être balancée et contrebalancée par les autres, et puis favoriser l'économie, quelques grandes pistes comme ça pour éviter cette logo législative et cette surabondance de textes. Donc on entend que là, une fois encore, les choses avancent. Dernier frein à la compétitivité que j'aimerais que nous partagions ensemble avant de nous quitter, il s'agit évidemment de la fiscalité. Donc je m'adresse notamment à vous, Laurent Labattu et Thierry Lenaf, qui êtes aux commandes des entreprises, sur aujourd'hui quelle est la fiscalité la plus pénalisante et quelle fiscalité pour vous devrait être réformée en priorité. D'abord, je crois qu'il faut baisser l'impôt sur les sociétés. Tout le monde s'accorde sur ce point. Il est plus élevé en France que dans de nombreux autres pays. Et d'accord. Donc, tout le monde ne s'accorde pas sur ce point, mais je vous donnerai la parole. Il y a une autre mesure qui, je crois, est très pénalisante. Et on est aux franges de la fiscalité. La frange de la fiscalité, c'est tout ce qui concerne les droits de douane. Parmi les produits que nous fabriquons, il y a des résines pour chewing-gum, mais il y a aussi des produits qui rentrent dans la composition de parfums. Et ces produits-là, nous les exportons, en règle générale, notamment dans les pays émergents, l'Inde, la Chine, le Brésil. Et généralement, lorsqu'on les exporte dans ces pays-là, nous sommes soumis à des droits de douane qui peuvent être très élevés. Inversement, lorsque nos concurrents dans les pays émergents fabriquent ces mêmes produits et les exportent en Europe, ils peuvent rentrer sans être soumis. Donc il n'y a pas de réciprocité, donc il y a une inégalité et je pense qu'il faut absolument mettre en place cette réciprocité, parce que c'est vraiment, je trouve, une incitation à aller fabriquer dans les pays émergents. Et puis dernier point, mais là je me place plutôt en tant que président d'une entreprise familiale, la fiscalité autour de l'ISF, la fiscalité sur les revenus du capital, ça vraiment, ce sont des fiscalités. C'est une fiscalité extrêmement nocive qui peut remettre en cause, je pense, l'indépendance d'un certain nombre d'entreprises familiales françaises. Et c'est peut-être pas le sujet de la question ou l'objet de la question, mais je crois que c'est quand même important. Non, mais ça fait partie de la fiscalité qui peut pénaliser aussi des entreprises du format comme le vôtre. Thierry Lenaf, quelle est votre vision sur ces questions? Qu'est-ce que j'ai... Votre question, c'est sur l'ISF ou c'est sur autre chose? Donc sur la fiscalité en tant que producteur, je vais mettre l'accent sur la fiscalité de production. Là encore, on va regarder l'Allemagne. Alors pourquoi on regarde l'Allemagne? C'est pas par hasard, c'est parce que la grande chimie en Europe, c'est la chimie allemande. Donc c'est vrai qu'on est concurrent, on est à la fois partenaire, mais on est également concurrent sur un certain nombre de lignes de produits quand on fabrique beaucoup en France. Et donc ce benchmark est important. Et je voudrais dire, concernant l'Allemagne, notre but, c'est pas que l'Allemagne devienne moins compétitive, c'est que la France devienne plus compétitive et s'aligne avec l'Allemagne. C'est très important que ce soit dans les discussions. Oui, évidemment, les discussions sur la France vers le haut. Oui. La fiscalité de production pour les personnes moins averties, c'est tout ce qui concerne la fiscalité énergétique, hein, TICGN par exemple, la fiscalité environnementale, la TGAP, ou la fiscalité sur le foncier. Enfin, toutes ces fiscalités-là, on est en France à 8% de la valeur ajoutée.
On peut dire que la raison, c'est que la valeur ajoutée est plus basse, on peut travailler sur les deux. Et puis en Allemagne, c'est 5%, donc il y a un delta. Et là encore, regardons ce qui se fait ailleurs, comparons-nous, essayons de réduire, en fonction des moyens qu'on a et de la créativité qu'on a, cette différence. Excusez-moi, c'est les défauts des infos. Donc on vient d'entendre les freins et les priorités en termes de réformes que vous souleviez. Geoffroy Roux-de-Bézieux, votre vision sur les efforts qui doivent être faits pour renouer avec la compétitivité en matière de fiscalité. Alors un mot juste sur l'ISF, je partage tout à fait, autant je vous explique pourquoi c'est pas l'IS qu'il faut réformer en priorité, mais l'ISF c'est une évidence, c'est une machine à détruire des ETI génération après génération. Et on a une injonction totalement paradoxale du gouvernement qui nous dit développer vos ETI, mais qui massacre, pas d'autre mot, les actionnaires de ces mêmes ETI. Alors sur la fiscalité purement entreprise, bien sûr qu'on aimerait baisser le taux de l'IS, mais on a grosso modo 50 milliards d'euros de différence de fiscalité pure, hors coût du travail, avec l'Allemagne. Et quand on regarde bien le détail, il ne faut pas se laisser abuser par le taux. Le taux de l'IS en France est très élevé. Mais quand on regarde la masse d'IS en milliards d'euros sur la valeur ajoutée ou sur le PIB, on est dans la moyenne européenne, parce qu'il y a beaucoup d'exemptions, parce qu'il y a le crédit d'impôt recherche, etc. Par contre, la vraie différence et l'urgence, ce sont ce qu'on appelle les impôts de production. Pourquoi ? Parce que c'est assis sur des assets qui n'ont aucun rapport avec la rentabilité de l'entreprise. Prends un exemple simple qu'on a réussi à faire supprimer dans le pacte de responsabilité, qui est la C3S. La C3S, c'est assis sur le chiffre d'affaires. Vous savez tous, bien sûr, que le chiffre d'affaires n'est pas le reflet de la rentabilité de l'entreprise. Donc vous le payez, enfin nous le payons, j'allais dire, quelle que soit notre rentabilité. Et donc cette fiscalité française, elle se caractérise par des impôts sur des assiettes qui n'ont pas de rapport avec la rentabilité. Donc j'ai cité la C3S, mais on pourrait parler de la taxe sur le bâti foncier que vous avez évoquée, la TASCOM sur la taille des enseignes commerciales. Enfin, on a des choses, c'est les portes-fenêtres, hein, c'est totalement surréaliste. Et en plus, comme ils sont très nombreux, chaque impôt coûte cher à recouvrir, puisque les assiettes sont différentes. Donc, du point de vue de l'entreprise, il faut la calculer, et du point de vue du vérificateur, il faut la vérifier. Donc, on a créé une machine courtelinesque qui est totalement déconnectée de l'économie réelle. Donc, il faut supprimer ces impôts de production avant de baisser le taux de l'IS. Bien sûr qu'on aimerait avoir les deux, mais dans les contraintes budgétaires qui sont les nôtres, c'est impossible. Et puis, un dernier point qui est très important, c'est la fiscalité locale. Parce que qu'est-ce qui se passe depuis 3 ans ? La fiscalité locale croît 2 à 3 fois plus vite que le PIB. Pourquoi ? Parce que les entreprises ne votent pas. Alors elles finissent par se délocaliser au bout d'un moment, mais à court terme, ça ne fait pas perdre les municipales. Et je crains que la dotation qui va être rognée de 11 milliards d'euros, vous savez que le gouvernement a annoncé 50 milliards d'économies, dont 11 milliards sur les collectivités. La solution, il y a 2 solutions pour un maire ou un patron de collectivité. Soit vous baissez les frais de fonctionnement de cette collectivité, donc vous avez moins de fonctionnaires municipaux, vous avez moins de dotations subventionnées aux associations, soit bah, vous augmentez les impôts au maximum de ce que la loi permet, et il y a un certain nombre d'impôts locaux où il y a une possibilité d'augmentation. Donc je suis extrêmement inquiet sur la conséquence fiscale, enfin le risque de conséquence, parce qu'il y a des maires de droite comme de gauche qui sont responsables et qui ne le feront pas. Mais il y en a d'autres qui le feront. On a vu juste un exemple, la fameuse TASCOM. La TASCOM, c'est une taxe que vous payez d'ailleurs les commerçants, mais quelquefois les industriels, sur la taille de l'enseigne qu'il y a au fronton de l'usine, de l'entrepôt ou du magasin. Les taux ont été libérés pour les collectivités locales. On est passé de 600 millions à 1 milliard d'euros en l'espace de 3 ans, plus de 40%. Versement transport, enfin, je m'arrête parce que je vais vous en raconter des terrifiants. Donc il y a un vrai risque sur la fiscalité locale.